Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelque temps de cela, je demande pardon aux anciens, bien sûr. Avec ma compagne, on a fait une expérience. Avec l'objet que je voudrais, on était allé se coucher. C'était l'hiver et à côté, il y avait un chauffage. Et pendant la nuit, ma compagne a eu un songe. Elle voyait un pasteur qui disait, réveille-toi, la couverture prend feu. Quand ma compagne s'est réveillée, elle a vu que la couverture était en train de prendre feu. Elle a eu le temps de l'éteindre et de se rendormir, comme si c'en était un rêve. Quand on s'est réveillé le lendemain, on avait vu que les flammes avaient presque traversé la couverture. Il manquait de toucher le lit et peut-être qu'on aurait été mort brûlé. Mais ça, c'était emporté par l'aide de Dieu. Parce que nous ne sommes pas un foyer comme les autres. Nous sommes un foyer auquel il y a Jésus. Parce que Jésus garde nos maisons. Mais toi qui n'es pas converti, qui garde ton foyer? Qui garde ta maison? Moi, je n'ai pas peur de partir de 3 jours en mission parce que je sais que mon Dieu est avec moi et garde ma maison. Parce qu'il est l'Éternel. Il est mon Dieu. Je vais chanter le dernier cantique et ensuite je vais céder la place au frère. Que nous suivons. Je remercie le Seigneur.